Oui. C'est une intention, c'est pas un contrôle du poignet, parce que là, tu tues le mouvement. Je bois presque quasiment plus, voire plus du tout, presque 90% de réussite. Superbe! Là, je te donne une Formule 1 au bout de la main. Tu vas pas appuyer à fond sur le champignon. Bien sûr. Les 15 minutes qu'on travaille ensemble, est-ce que tu ressens déjà un petit peu la différence? Oui, exactement. Je sens plus la prise d'effet déjà. Waouh! Bonjour, bienvenue dans un nouveau format de Révolution 60 minutes chrono. Alors aujourd'hui, on a un nouveau challenger qui s'appelle Geoffrey. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne et je vous en remercie. Abonnez-vous, ça nous encourage et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également. Je vous remercie par avance. Alors, Geoffrey, tu as 24 ans? Exactement. Voilà, tu m'as expliqué que tu étais classé 40. C'est ça. Ok, et ton problème aujourd'hui, c'est le... Revers à une main. Lifté, on a dit. Lifté. Parce que vous avez dû voir, j'avais déjà fait une vidéo sur le revers à plat. Alors, raconte-nous, c'est quoi ta problématique sur ce revers ? En fait, mon problème, c'est que, comme tout débutant, je ne suis pas régulier sur le revers. Et la plupart du temps en match, je fais beaucoup de filets. Le revers lifté, ça peut être votre revers de base, mais ça peut être également une corde de plus à son arc. Ça permet, par exemple, de jouer les balles basses, c'est les ça. Balles hautes. Je vous propose qu'on démarre tout de suite. Allez, c'est parti. Juste avant cette vidéo, vous me demandez souvent si je propose du coaching privé. Oui, absolument, et à tout niveau. Que vous soyez débutant, joueur amateur de club ou que vous ayez un projet de haut niveau, si vous en avez marre de galérer dans votre tennis, si vos résultats sont pas à la hauteur de vos attentes et que vous voulez définitivement passer un cap, je vous propose un coaching de transformation hyper puissant. Visionnez les quelques témoignages sur ma chaîne YouTube pour vous en rendre compte. Réservez un appel dès maintenant en cliquant sur le lien Calendly juste en dessous ou envoyez-moi un texto ou appelez-moi sur le numéro de téléphone qui s'affiche. Allez, bon visionnage pour cette vidéo. Après cette phase d'observation, le diagnostic, ça va pas. Sur toutes les séquences carrément. D'accord. C'est-à-dire que ton épaule ne passe pas, ton bras est tendu, ton poignet est tendu, le mouvement lui-même n'est pas bon. Donc, il va falloir qu'on fasse vraiment un reset, hein, qu'on reparte sur des fondamentaux vérité. D'accord. Il n'y aura pas de souci. Tu vois que ta balle, elle décolle absolument pas. Oui, c'est vrai. Elle part pas, tu n'as aucun contrôle. Non, ça va dans le filet. Ah, oui. En termes de mécanique, il faut qu'on revoie point par point toutes les différentes séquences. D'accord. Pour t'amener au revers lifté vérité. Ok, c'est parti. Allez, c'est parti. Premier exercice, Geoffrey. Je vais te mettre une latte en bois, d'accord, tenue à chaque extrémité par une bande velcro. Okay. C'est pour éviter, dans un premier temps, que ton bras ne se plie. D'accord. D'accord. Très souvent, en revers lifté, on aperçoit un mouvement avec le bras et l'avant-bras en rotation. Oui, oui. Ça, exactement. C'est non. On va réaliser ensuite que c'est le poignet qui fait tout le job. Donc la première chose, c'est rééduquer ton bras pour qu'il soit allongé. J'aime bien dire allongé plutôt que tendu, parce que tendu, il y a une notion de tension que je n'aime pas, hein, vous le savez. Donc évidemment, on peut jouer un peu sur les mots, mais je préfère le terme allongé que tendu. Donc maintenant, on va enlever le tuteur, d'accord. Donc l'idée, c'est de reproduire exactement le même mouvement, c'est-à-dire que l'information que tu viens d'obtenir grâce à cet outil pédagogique, tu vas essayer de le reproduire sans. D'accord. Bien. D'accord. Tu fais pas mal de bois. Oui. Pour une bonne et simple raison, c'est que tu serres trop fort ton manche. Le revers lifté, par rapport au revers à plat, il y a pas mal de points de différenciation. Le revers à plat, on est plus sur une poussée de manche. Là, on va plus être sur une sensation de fouetter avec un lâcher total au niveau du poignet. Donc, la base, montre-moi ta prise.
Montre-la moi. Ok, c'est celle-là. Donc on est sur une prise plutôt fermée. Ce que je vais te demander, le plus important sur le revers lifté, c'est que l'intensité de pression sur le manche doit être très très basse. Plus tu vas serrer et plus ton poignet va être rigide. Alors D'accord. que nous, ce qu'on recherche, le relâchement extrême du poignet qui vient fouetter la balle. Okay. Donc l'intensité doit être très très faible. Okay. Sur une échelle de 0 à 10, tu vas être à 1. Okay, je vais le faire avec toi. Donc 0, voilà, 0 le manche glisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je veux qu'on démarre là-dessus. Tu vas essayer de jouer toutes tes frappes avec cette intensité extrêmement faible. Je vais faire une petite démonstration. Donc je ne serre absolument pas le manche. Hein. Okay. Ok. Voilà. Voilà, t'as vu? Bien! Voilà. Bien. Voilà. Super. Ouais. Bien. Laisse partir le poignet. Très bien. Ouais. Je voudrais qu'on travaille sur le rôle de ton épaule. Okay. D'accord ? Ton épaule, elle a tendance à rester en bas. Ok. Ok, très souvent. C'est ce que j'ai vu dans la phase d'observation. Là, on va essayer de le faire partir vers l'avant et vers le haut. Donc là, c'est un exercice deux en un. Le premier, ça va te permettre de prendre la balle bien devant toi. Okay. D'accord ? Souvent, effectivement, ta distance d'impact n'est pas respectée. Okay. La deuxième, c'est qu'il va falloir que tu ressentes ton épaule montée et la tête de raquette, regarde, elle va terminer derrière le filet okay. au niveau de ton oreille. Donc, vers l'avant et vers le haut. Vers l'avant et vers le haut. Voilà. Très bien. Ce que je veux, c'est que tu mettes ta main gauche sur ton épaule ici et que tu sentes bien le mouvement de l'épaule okay. qui monte vers l'avant et qui se termine derrière. Bien. Bras tendu. Non, t'as vu, ça monte pas là. Hein ouais. Bras tendu. Va moins vite. Voilà. Fin de geste. On observe. Où se situe effectivement ta main. Ça veut dire que ton épaule est bien remontée. Bien. Voilà. Bien. Pas grave. Oui. Super. Bras tendu. Voilà. Très bien. Oui. Geoffrey, on va faire une série en reproduisant exactement ce que tu viens de sentir derrière le filet. Donc, je te rappelle, tu as vu que ton plan de frappe était bien avancé. Je vais te demander simplement de sentir l'avancée vers l'avant et vers le haut de ton épaule. D'accord. C'est une sensation qui est extrêmement identifiable, hein, cette notion d'articulation qui se déplie vers le haut. Hein. Je vous conseille vraiment de mettre la main gauche, si vous êtes droitier, sur l'épaule au départ, comme on a fait, pour bien sentir cette ouverture de l'épaule vers le haut. Okay. Bien. Voilà, parfait. Oui. Waouh. Continue, continue. Voilà. Super. Voilà. Bien. Parfait, ça.
Bras tendu, bras tendu, bras tendu. Waouh! Ça fait 15 minutes qu'on travaille ensemble. Est-ce que tu ressens déjà un petit peu la différence? Oui, exactement. Je sens plus la prise d'effet déjà. Et je vais beaucoup plus haut sur les balles. Terminer sur l'aspect purement mécanique, avant de passer aux étapes de frappe de balle, pour finir sur l'aspect mécanique, tu le fais plus ou moins naturellement. C'est la finition de geste avec les hanches qui se relâchent également. Okay. L'idée, c'est de terminer avec un bras et des hanches qui suivent. C'est un peu comme un swing de golf qui va se terminer avec les hanches ouvertes. Donc, pour cet exercice, je vais te demander de prendre la raquette à deux mains. D'accord? Okay. De me faire un revers à deux mains. Donc, ça va donner ça. Voilà. On va juste travailler sur l'ouverture des hanches. Et le fait, effectivement, d'amener la main gauche sur le manche va obliger tes hanches à dévisser. Vous avez vu que le relâchement, il est total au niveau des hanches et c'est le bras, attention, hein, c'est le bras qui entraîne les hanches et pas l'inverse. Ok. Hein. Voilà. Très bien. Un indicateur, un pied gauche qui se termine sur la pointe des pieds, c'est induit, hein, c'est induit par le relâchement des hanches. Il n'y a aucune volonté caractérisée de terminer sur la pointe des pieds, sinon ça rime absolument à rien. Bien. Donc là, tu viens d'informer à ton corps le relâchement des hanches. Donc maintenant, c'est parti à une main. Vas-y. Voilà, très bien. Très bien. Voilà. Bien. Juste pour information, c'est vrai que ce relâchement des hanches, il est indispensable. Mais dans un souci d'apprentissage, je veux que pour certains, vous soyez capable uniquement de le faire avec les hanches qui restent perpendiculaires au filet pour bien ressentir son contrôle. Et dans un deuxième temps, on va venir relâcher les hanches. Parce que le fait de relâcher les hanches va te faire perdre un peu en précision au départ, oui, dans un souci de démarrage. Donc, je vais te demander d'alterner, de me faire une frappe avec les hanches qui restent bloquées et une deuxième frappe avec les hanches qui s'ouvrent. Bien. Maintenant, tu ouvres les hanches. Voilà. Hanches fermées. Bien. Hanches ouvertes. Bien. Hanche fermée. Très bien. Hanche ouverte. Vu que cet exercice au niveau des hanches, il est important. Oui. Si vous ouvrez trop tôt vos hanches, vous risquez de dévisser et de perdre vraiment contrôle. Donc, je dirais que dans un premier temps, il faut vraiment que tu cherches à alterner uniquement pour être focus sur ton épaule et sur ton poignet. D'accord. D'accord ? Sans forcément ouvrir les hanches. Mais tu peux également ouvrir les hanches de temps en temps. Et dans un souci de contrôle, dans un premier temps, je vais te demander de pas trop dévisser les hanches. Maintenant, on va essayer de travailler sur ta vitesse. Jusqu'à présent, tu étais obligé de jouer rapidement pour compenser le mauvais plan de frappe. Tu étais obligé de compenser parce que tu étais extrêmement raide, tu n'avais pas le mouvement. C'est pour ça que tu joues très vite et que tu fais beaucoup de bois. Oui. D'accord ? Donc, on va essayer d'initier une prise de conscience sur la vitesse. Toi ici, derrière moi, je veux que tu essayes de faire passer ton bras. Allez, un. Voilà, deux. Trois. Quatre. Ça monte. Cinq. Six. Sept. Huit. Bras tendu. Neuf. 10. C'est un premier temps, ok, que tu sois à une vitesse de 4. Okay. Pourquoi? Parce que pour générer du spin, on ne peut pas être non plus à 1 sur 10. Oui. D'accord? Donc pour générer du spin, il faut quand même que tu te mettes à une vitesse de 4 pour démarrer. Okay. Sachant que le but pour toi, c'est de contrôler. Oui. C'est d'avoir plus de régularité, moins boisé, en jouant moins vite. Voilà.
Très bien. Bras tendu, s'il te plaît. 4. Très bien. Voilà. Superbe. Très bien. Parfait. Waouh, génial ça. Bien. Qu'est-ce que t'en penses? Je centre plus. T'as vu? Ouais. Pas compliqué, tu viens de diminuer, aller à 80% ton nombre de bois. C'est ça. Hors cadre, on va dire. Enfin, ça veut dire que tu jouais beaucoup, beaucoup trop vite ouais. par rapport au niveau de compétence où tu es actuellement. Oui. Il va falloir que tu apprennes à jouer à cette vitesse-là dans un premier temps. Mmh. On va dire, entre guillemets, c'est ta vitesse moyenne de sécurité oui. qui va te permettre de relativiser les fautes directes, qui va te permettre de mieux centrer ta balle. D'accord. Ça, c'est extrêmement important. Donc, pour l'instant, tu es à 4 sur 10 en échange D'accord. avec tes partenaires. Okay. Tu vas prendre confiance. Ça va monter à 5 et à 6 et à 7. Il n'y a pas de problème, d'accord? Mais pour l'instant, là, je te donne une Formule 1 au bout de la main. Tu penses bien que la première fois que tu montes dans la Formule 1, tu ne vas pas appuyer à fond sur le champignon. Bien sûr. Non, on va s'occuper de la frappe de balle. L'indicateur d'un poignet totalement relâché, c'est quoi? C'est lorsqu'il se retrouve à 45 degrés à ce niveau-là, d'accord? Donc, évidemment, il n'y a aucun contrôle, une fois de plus, aucune volonté de venir casser le poignet parce que sinon, vous êtes hors jeu. C'est la conséquence et la fatalité d'un relâchement extrême, d'accord, et d'une intensité très faible au niveau du... Vous me suivez? Sur d'autres vidéos, j'ai parlé de cette fameuse prise crabe. Alors, la prise crabe, c'est quoi? C'est que, tiens, mets-toi tes trois doigts comme ça. Mets-toi à zéro. Un, deux. Tu vois déjà à deux comment ça tend le poignet. Oui. Donc, il faut que ces trois doigts-là soient totalement absents okay. en termes de présence sur le manche. Le pouce et le majeur de ce côté-ci du manche. Okay. Ça. Ok, d'accord. D'accord, ok. Là, on est à intensité 0, 0, 0, 0. Et juste ces deux doigts-là vont être un. Donc là, tu vas voir que ton poignet va passer beaucoup plus rapidement. Voilà. Je voudrais que tu observes ton poignet en fin de geste pour voir s'il est bien à 45 degrés. Oui. Oui. Vous comprenez l'importance de checker en fin de geste? Ça vous oblige à bien prendre conscience. Oh, magnifique. Très bien. Waouh! Oui! Oui. Oui. Je boise moins avec la prise crabe en tenant ma raquette comme ça oui. qu'en la tenant normalement. Bah oui, parce que jusqu'à présent, si tu veux, ces trois doigts-là faisaient pince et ouais. tu n'avais aucune sensation et aucun relâchement au niveau du poignet. D'accord. Donc là, maintenant, ton poignet, ça y est, il est informé. Donc tu vas reprendre tes cinq doigts, mais tu as compris que le pouce, l'index et le majeur n'agissent absolument plus dans le processus. D'accord. C'est juste ces deux doigts-là qui interviennent, mais à une dose extrêmement faible. On est à 1 à l'impact sur okay. 10. Okay. Ouais, donc, tu as compris que ton poignet, ouais. il est totalement détendu à partir du moment où on est à 1 avec deux doigts. Très bien. Parfait. Superbe. Ouais. Ah, je bois quasiment plus. Voire plus du tout, presque 90% de réussite. 90% de réussite, oui. T'as vu? Oui. Donc, grâce à quoi? Moi, j'estime, hein, il y a eu deux correctifs qui ont été mis qui sont indispensables. C'est la vitesse oui. et c'est le relâchement de ton poignet. Oui. Et vous allez voir, il y a un côté un peu magique que j'ai remarqué, surtout chez Federer à l'époque, quand il liftait énormément. C'était avant 2017.
c'est que même quand tu boises et que tu as un poignet relâché, par miracle, la balle, elle reste dans le terrain. Ouais. Voilà. Alors que si tu as un poignet raide, la balle, elle part vraiment dans tous les sens. Maintenant, on va essayer de donner un peu plus de spin, d'effet à la balle. Pour ça, voilà. Oui. Le but, c'est effectivement, c'est de passer de 15h à midi. C'est-à-dire qu'en termes d'intention, tu vas démarrer ici à 15h et tu vas avoir comme intention de venir la recouvrir à midi. Okay. Ça donne ça. Ok. Ok. Évidemment, il faut que le poignet soit complètement relâché. Hein. Oui. C'est une intention. Ce n'est pas un contrôle du poignet. Parce que là, tu tues le mouvement. Oui. Voilà. Très bien. Voilà, vas-y. Va la recouvrir. Voilà. Ok ? Vas-y. Voilà, très bien. Fais remonter l'épaule, s'il te plaît. Toujours avec l'épaule. Très bien. Va chercher le midi. Donc, tu as vu que tu commences à 15h. Va chercher le midi. Oui. Va chercher le midi. Superbe. Tu as vu l'effet? Oui. Hein, tu as vu la rotation de la balle? Intéressant. Hein. Parfait. Ton focus, Geoffrey, c'est d'aller démarrer à 15h et de finir à midi. Oui, je vois bien. D'accord, je vois bien. Ce quart de rotation de la balle. Allez, on va chercher midi. Bien. T'as vu comment la balle, elle redescend bien dans le terrain? Elle est dans le terrain. Voilà, bras allongés. Voilà. Waouh. L'épaule. Bien. Ces balles effectives, elles vont être extrêmement efficaces, par exemple sur des balles basses, chopées, sur terre battue, tu vois. Sur des balles, en général, il va falloir remonter. D'accord ? Non. Ces balles-là, tu vas pouvoir les accélérer en donnant du fouetté. C'est de garder les jambes fléchies et de ne pas tourner les hanches. Donc tout dans le poignet, dans l'épaule. Voilà, et tu ne remontes pas. Ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Qui arrive, tu es obligé de vous reculer. Si vous faites un revers à plat sur des balles hautes, regardez, il n'y a aucune amplitude. Donc, le revers lifté est indispensable à partir du moment où vous ne voulez pas livrer une balle gratuitement à votre adversaire dès qu'il vous met une balle haute. Donc, il va falloir que tu joues à 100% avec ton poignet. C'est le poignet qui va venir pointer la balle. Donc, je vais t'envoyer les balles. Tu vas avoir à les gérer à ce niveau-là, mais déjà tu vas me faire une mise à niveau là-haut. Voilà. Et tu vas simplement faire comme moi, venir la fouetter en cherchant midi avec ton poignet.
Voir. Et c'est le seul moyen de renvoyer de la qualité pour pas vous faire éclater derrière. Okay, donc c'est extrêmement important. Apprenez à lifter pour ce cas de figure-là sur les balles basses. Alors, certains joueurs vont avoir, comme Dimitrov, uniquement un revers lifté sur des balles de construction, sur des balles d'attaque, d'accord ? D'autres vont avoir deux armes. Revers à plat dans les coups d'attaque et les coups de construction, et revers lifté sur les balles basses et sur les balles hautes, ou pour trouver des angles également. Bien. Voilà. Attends. Tout dans le poignet. Oui. Ouais. Attends. Très bien. Bien. Ouais, superbe. Waouh. Magnifique. Wouh. L'épaule, laisse remonter l'épaule. Relâche le poignet. L'épaule. Ouais. Et plus de précision, plus de contrôle. J'arrive plus à choisir où je place la balle sur le court. Et je sens que je gratte bien la balle. J'ai vraiment l'impression d'avoir débloqué quelque chose au niveau de ce coup, où vraiment j'avais un gros blocage depuis très longtemps. J'ai regardé beaucoup de vidéos, comme beaucoup, je pense, sur YouTube. Mmh. Et là, j'ai vraiment compris et j'ai vraiment l'impression de faire la même gestuelle que c'est. C'est génial. Pas au même niveau, mais en tout cas, je sens que le coup c'est le même. Bah voilà, c'est un geste qui va te permettre de progresser. Voilà. Sans saturation technique, hein, c'est le but. Super. Bah, merci beaucoup, Jean-Pascal.